Arrêter le pillage des ressources maritimes et côtières dans le golfe du Bénin, tel est l'engagement du collectif des deltas du golfe du Bénin créé en 2018. Cette plateforme, constituée d'organisations locales et internationales, a organisé du 8 au 9 octobre 2019 à Awalé, plage hôtel de Grand Popo, un atelier axé sur le partage d'expériences de surveillance maritime et côtière pour une lutte conjointe contre la pêche illégale dans le golfe du Bénin. Si l'océan est immense, il n'est pas infini. C'est pourquoi une gestion durable des ressources marines et une meilleure collaboration inter-administration sont nécessaires. L'atelier auquel nous participons aujourd'hui offre donc un cadre idéal pour réfléchir sur les meilleurs mécanismes de mise en œuvre des divers instruments de lutte contre la pêche illicite, dénommée pêche INN. Nous souhaitons que les échanges ici soient très conviviaux entre nous, que nous parlons à bâtons rompus sur comment est-ce que nous, société civile, pouvons travailler de commun accord avec nos autorités pour une meilleure gestion, un meilleur contrôle et une meilleure productivité de nos zones maritimes. Les membres du collectif des deltas du Golfe Bénin, les structures de coopération à l'image du consortium d'ONG belge Unifor-Corp, les responsables du Sea Shepherd et les autorités de la préfecture maritime du Bénin, du Togo, du Ghana et du Nigeria entendent développer des stratégies de gestion commune et harmoniser des écosystèmes marins. Au cours du présent atelier, chaque pays a présenté son système de surveillance maritime et les faiblesses. We have a lot of problems within the Gulf of Benin. IUU fishing, piracy, resource extraction, migration of people from one country to the other, exporting some of the bad fishing habits and all that. We as NGOs stand in the center to hold our governments accountable and also work with our local communities to be able to understand the issues that affect them, climate change, fisheries, coastal erosion, and so forth. L'opération Guégou, menée en mai 2019 dans la zone économique exclusive du Bénin avec Sea Shepherd, Eco-Bénin, les forces navales et le gouvernement béninois, est une initiative à élargir aux autres pays pour une lutte efficace contre la pêche illégale dans le golfe du Bénin. Et le collectif peut compter sur l'appui de Sea Shepherd Global. Because of the leadership of the prefect, the Ministry of Fisheries, the Navy, Eco-Benin, and the State Action on the Sea, Benin is really showing the way in the region for what other countries can do to stop illegal fishing. So it's the hope of Sea Shepherd that other countries, including Togo and Ghana, will partner with us to do at-sea patrols. À l'issue de cette rencontre, des actions urgentes ont été identifiées et à mettre en œuvre d'ici 2020. Il s'agit entre autres de la définition d'un cadre légal entre les États, la dotation de la cellule de commandement maritime des pays du Golfe du Bénin, de VMF, un système de surveillance des navires, la mise en place d'un dispositif de localisation des embarcations artisanales et la définition d'un plan de patrouille. Rappelons que les activités de cette réunion ont pris fin par la visite des participants dans l'aire communautaire de conservation de la biodiversité, la Bouche du Roi, où ils ont procédé à la libération des bébés tortues.